que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing de la Dégustin Box du mois donc de mai. Donc je ne l'ai pas encore ouverte, elle est fermée. Avant de faire l'ouverture de cette Dégustin Box, comme d'habitude, je vais revenir vite fait sur celle du mois dernier. Donc celle du mois dernier, c'était la Dégustin Box, c'était apéro dînatoire. Donc autant vous dire que à l'exception d'une chose que je vais vous présenter, tout le reste c'était bon. Alors je vais vous rappeler, j'ai pas gardé les emballages, mais je vais vous rappeler vite fait, il y avait je vous mettrai dans tous les cas par ici le lien donc de la vidéo précédente, comme ça vous pourrez voir ce dont je parle. Alors il y avait des petits crackers Belin, donc recette fine au four, finement salée. Ça passe toujours, c'était très bon. Ils n'étaient pas cassés, donc c'était parfait. Les tucs originales, bon ben voilà, c'est une valeur sûre, sans problème. Les Haribo Chamalogou Choco Banana, c'était vraiment très très bon. Ils n'ont pas fait un pli de toute manière. Il y avait les bières, donc il y avait une bière blanche 1664 et une bière blanche sans alcool 1664 aussi. Elles étaient très très bonnes. Alors je pense que la bière blanche doit être, alors je ne me connais pas trop en bière, mais je pense qu'elle doit être un petit peu moins forte et que celle qu'on avait eue précédemment. Elles étaient vraiment très très bonnes, très rafraîchissantes et très bonnes. L'arillette de thon aux herbes de Provençal de la marque Saupiquet, c'était très très bon aussi. Donc nous on les a fait sur les toasts qui étaient fournis, donc c'était les mini toasts nature de la marque Jacquet. Bon ben voilà, c'est sans problème. Les Oreo Golden, ma fille a beaucoup apprécié, je ne les ai pas goûtés, je ne peux pas vous dire, mais elle a beaucoup aimé. Le lait d'amande Alpro, donc le lait d'amande grillé original Alpro, bon ben ça moi je le bois dans le café et j'adore. La Tourtelle Twist, c'est ma fille qui les a bu. Elle les a bu, hein, malgré qu'elle n'est pas très fan de la framboise, mais elle les a bu, elle a aimé. Hein, on avait deux canettes, donc elle les a bu. La seule petite déception, le petit bémol qu'on avait sur cette box là, mais en fait ça dépend de nos goûts aussi, c'était la vinaigrette donc dans le pot en verre. Alors par contre super classe, super jolie, c'était la tourangelle, donc la vinaigrette donc de salade olive ail. Ouais, on n'en a pas. Alors, en même temps, on n'est pas très fan de vinaigrette déjà toute faite. Donc, mon mari a sa vinaigrette spéciale. Moi, j'aime bien l'huile d'olive balsamique. Donc, c'est vrai que. Voilà, petit bémol, c'était sur celle-là. On n'était pas fan, en tout cas, sur cette vinaigrette-là. Sinon, tout le reste, sans problème, vraiment. Voilà, à part ce petit bémol-là, et encore, c'est par rapport à nos goûts. La Dégusta Box du mois dernier, donc apéro dînatoire, était top. Voilà, donc sans plus tarder, on va ouvrir celle de ce mois-ci. Donc je l'ouvre, hein, que je ne l'ai pas ouverte encore. Donc je l'ai reçue il y a 2 jours, j'attendais d'avoir le temps de pouvoir faire la vidéo pour pouvoir l'ouvrir. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ma fille n'a pas spoilé pour une fois, elle ne l'a pas ouverte avant tout le monde. Je crois qu'elle n'a même pas vu le carton en fait. Donc du coup, voilà. Donc comme d'habitude, donc on a le petit craft que je vais garder bien entendu. Donc je vais regarder vite fait sans trop me spoiler. Je vais regarder, alors c'est la Dégusta Box comme un chef. Voilà, donc comme d'habitude je vous mettrai les tarifs donc par rapport à la box, ce que j'ai, les quantités. Voilà, donc les tarifs qui seront affichés en bas. Donc je vais, donc comme d'habitude nous avons des bons de réduction. Donc là c'est sur donc la marque Jacquet, à vous créer vos meilleurs hamburgers. Donc a priori c'est des bons de réduction pour des buns d'hamburgers. Donc on a donc des buns donc par 4 de la marque Jacquet, donc c'est pareil, c'est pas, j'achète pas d'habitude, donc 4 burgers création nature, voilà, de la marque Jacquet, donc ils ont l'air très très souples, très moelleux. Donc je vais vite fait regarder, donc il y avait Jacquet burger création nature, donc c'est 1,89€, donc les 4,
Donc je vais. Donc qu'est-ce qu'il dit? Une mie aérée, un chapeau doré et bombé. Avec ses burgers création, Jacquet vous propose un pain de qualité pour créer vos burgers gourmets à la maison, sans additifs, sans huile de palme. Ils sont fabriqués en France avec de la farine de blé de nos agriculteurs. Voilà. Donc ben ça, je pense que voilà, c'est pas. C'était quoi? C'est comme un chef, hein, la. Donc bon ben ça, ça ira, je pense. Ensuite, nous avons. Alors ça, c'est pareil, je ne connais pas du tout. C'est de la polenta rouge tomate. Donc polenta à la tomate et touche de gruyère de France. C'est une portion de légumes. Donc apparemment, ça se réchauffe simplement à la poêle ou au micro-ondes. Il y a 190 grammes. Donc c'est pareil, je ne connais pas du tout. Donc ça, c'est quoi? Donc c'est Vitabio, cool petit chef. Donc c'est pas le temps de préparer le repas, cool petit chef est là pour vous, un plat cuisiné simplement pour les petits gourmets. Donc polenta purée ou encore risotto, donc moi j'ai la polenta. Voilà, purée ou avec une touche de crème fraîche ou de gruyère pour la gourmandise, les enfants vont adorer. Donc un paquet par box. Par contre, ils n'ont pas mis le prix là pour le coup. Ouais, il n'y a pas le prix. Donc écoutez, j'essaierai de faire des recherches. Ouais, il n'y a pas le prix. C'est bizarre ça. Alors, est-ce que c'est un cadeau? Je sais pas. C'est pour vraiment tester. C'est peut-être un cadeau, je sais pas. Donc voilà, donc 190 grammes. Alors par contre, j'ai vu dans certaines vidéos qu'il fallait faire attention à la date de péremption. Mais bon, là, ça va. Le 22 juin. Là, le 24 août, donc voilà, donc c'est Vitabio qui fait ça, c'est de la polenta à la tomate rouge. Voilà, donc ça on verra. Alors par contre, j'ai pas le prix, donc un paquet par box, est-ce que c'est un cadeau? Je sais pas, je peux pas vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a de la marque Patax originale, donc du Korma. Préparation facile, je sais pas ce que c'est, concentré. D'épices pour curry indien. Alors ça doit pas être mauvais. Alors il y a une recette. Brochette de poulet korma. Poulet curry korma. Alors qu'est-ce que c'est? Donc Patax concentré d'épices. Donc c'est un concentré d'épices. Alors ça coûte quand même 2,35€, hein, mine de rien. Un paquet par box. Alors apportez de nouvelles saveurs à vos plats. Avec de concentrés d'épices, recouvrez les recettes traditionnelles, redécouvrez, pardon, les recettes traditionnelles de vos pâtes de curry indienne préparées dans un nouveau format ultra pratique. Un pot égale un plat. Excusez-moi. L'occasion de faire voyager vos papilles, les concentrés d'épices peuvent s'agrémenter facilement avec de la viande, des légumes, du poisson ou encore du tofu. Laissez libre cours à votre imagination. Donc voilà, donc c'est un concentré d'épices. Alors nous, ça tombe bien parce qu'on adore le curry. Donc je pense que bah, ça devrait pas être très, ça doit pas être mauvais ça. Donc je vous dirai. Donc c'est il y a trois petits, vous voyez, trois petits dessins de poivrons. Donc c'est force 1 en fait. Hein, donc c'est doux. Voilà, c'est épices douces. Donc tant mieux, je pense que ça on va aimer. Ensuite on a, je vous ai dit le prix, ouais, 2,35€ quand même le pot d'épices. Ensuite on a un burrito, donc un mélange à burrito, hein, donc ça je connais, on a déjà acheté. Mélange aux épices, donc là c'est la gamme douce, pareil il y a trois poivrons, donc c'est bien parce qu'ils mettent pas trop... du dur quoi, donc mais bon apparemment celui-ci est nouveau, donc alors le principe on le connaît, hein. Je suis en train de regarder où j'ai, donc produit du mois, c'est le produit du mois, donc Old El Paso, mélange aux épices pour burrito, ça coûte 1,60€. Partager des moments de convivialité en famille ou entre amis avec le mélange aux épices de burrito Old El Paso. Laissez parler votre imagination et créer de délicieux plats à saveur mexicaine. Donc là on a que les épices, mais bon on a déjà fait, donc on connaît un petit peu, donc ça sera pas mauvais aussi.
Ensuite, on a. Alors, ça, nous, on est très fan de Prince. On déjeune, enfin, moi, enfin, même ma fille, on adore déjeuner avec les petits princes, donc le matin, avec le café et elle avec du jus d'orange. Et donc, c'est les mini princes. Là, du coup, donc, bah, je connais. Nous, on prend les paquets princes normaux. Donc, là, c'est des mini princes, donc goût chocolat au blé complet, sans conservateur. Donc, c'est nouvelle recette, a priori. Voilà, donc c'est une boîte de. C'est des 4 sachets fraîcheur, apparemment dedans il y a 4. Il y a des petits sachets où il doit en avoir peut-être 4, ben 4 dedans, apparemment. Je suis en train de regarder si je ne dis pas des bêtises. Voilà, donc là ils disent donc ça coûte 1,69 € les mini princes goût chocolat. Donc bon, bah, après c'est redécouvrir le format mini du goûter fourré iconique prince au délicieux goût chocolat. Une nouvelle recette mini prince maintenant au blé complet, élaborée à partir du blé Harmonie sans colorant ni conservateur. Découvrez également ces nouveaux embossages pour un goût toujours plus fun. Pour un goûter toujours plus fun, Mini Prince, faites de goûter une aventure. Voilà, oui, parce qu'ils sont un petit peu embossés. Voilà, avec des petits dessins. Donc il y a le prince, il y a l'épée, le cheval, la couronne, la princesse et les châteaux. Donc pour ceux qui ont des enfants, c'est assez sympathique. Voilà, donc ça, c'était 1,69 €. Donc ensuite, nous avons des bretzels de la marque Ancel. Donc aux 4 graines. Alors nous on connaît les bretzels, il n'y a pas de souci. Maintenant aux 4 graines, je connais pas. D'habitude on prend les bretzels normaux. Donc les graines, il y a du chia, du pavot, du tournesol et du lin. Donc ça doit pas être mauvais, hein, tout ça. Donc c'est nouveau. Je suis en train de regarder. Donc les bretzels en sel se déclinent désormais en smiley. Bon, moi c'est pas smiley. Ah non, c'est ceux-là, pardon, c'est pas ceux-là. Donc du coup, il y a une autre boîte de. Ah ouais, il y en a une autre. Donc là, c'est le Ansel Bretzel aux 4 graines, donc 1,19 €. Le fameux Bretzel Ansel se décline dans une version encore plus croquante et croustillante, avec des inclusions de graines de chia, de lin, de pavot et de tournesol. Donc cuit au four, 83%. Moins gras que la moyenne des produits salés apéritifs à consommer sans modération. Donc ça coûte 1,19 €. Et donc je me rends compte qu'il y a aussi une autre sorte de bretzel. Des bretzels en effet smiley. Bon, si vous allez arriver à les voir. Voilà. Donc smiley. Donc ça c'est les normaux, hein, tout simplement. Donc ça c'est 1,49 €. Biscuit apéritif ludique, additif, qui plaira à tout le monde, enfant comme adulte, pour un moment apéritif convivial et plein de bonne humeur. Voilà, donc ceux-là, c'est les normaux, donc en forme de smiley. Et ceux-là, c'est aux 4 graines, donc qu'ont la forme normale en fait, mais aux 4 graines. Alors, ensuite. Désolée, on a été coupé, je sais pas où c'est que j'en étais, donc je vais reprendre vite fait, je ferai un montage, tant pis. Donc, pour rappel, je viens de voir donc les bretzels Ansel, donc normaux aux 4 graines, enfin de forme normale, mais aux 4 graines. Et donc là, on a les bretzels au goût normal, mais en forme de smiley. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on avait là. Donc, j'en étais donc ici. Et donc je vous disais que ça je connaissais pas du tout, de la marque Sun graines de chèvre assoupoudrées. Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est, graines de courge, de tournesol, de pignon de pin et de baies de goji. Donc c'est voilà, des graines hein, tout simplement, a priori qu'on peut saupoudrer sur les plats. Donc il existe de plusieurs sortes. Il y a aussi des figues, raisins, éclats de noix. Donc alors, oui, il y en a plusieurs, il y en a quatre, apparemment 4 ou 5 sortes. Donc, un paquet par box. Donc, Sun graines de chèvre. Donc, pour réinventer et sublimer tous vos plats du petit déjeuner au dîner, saupoudrez sur votre assiette ou versez dans votre préparation ces mélanges de fruits secs, mélangés et savourés grâce au bec verseur intégré. C'est aussi simple que verser du sucre dans un yaourt. Donc, alors, moi, je ne suis pas sûre que ma fille et mon mari aiment. Mais moi, je goûterai, pourquoi pas.
Ah, dans tous les cas, ça peut être que bon pour la santé. Les graines, c'est très bon. Donc voilà, donc c'est cette marque-là. Et de toute manière, je vous ferai un retour. Donc ouais, ils en mettent dans les petits pains, ouais, donc ça c'est classique. Dans le taboulé, a priori, dans les pastas, dans les pâtes, dans la salade. Donc ça, à voir. Ensuite, on a... Alors, du thé vert, saveur fruits des bois de la marque Nestea. Donc moi, j'adore le thé. Donc ça, je vais aimer. C'est du bio. C'est sûr que je vais aimer. Faible en calories, Nestlé. Donc thé vert, saveur fruits des bois, hibiscus. Voilà, donc ça, bien frais, là, qui commence à faire chaud et tout. Ça va être très, très bon, je pense. Donc c'est pareil, je n'ai jamais acheté. Ça coûte 1,80€. Je vous ai dit le prix des graines, je ne suis pas sûre. 2,99€, je reviens, désolée pour les graines. Donc 2,99€, ça coûte. Voilà, et il y a plusieurs sortes. Donc je reviens sur mon thé. Donc c'est du Nesté Bio, c'est 1,99€ aussi. Découvrez la nouvelle gamme Nesté Bio. Trois nouvelles recettes rafraîchissantes, bio, faibles en calories, pour une expérience naturelle en toute simplicité. Donc une bouteille par box. Il y a plusieurs goûts. Donc moi j'ai thé vert, saveur, fruits des bois, hibiscus. Je pense que bien frais, ça ne doit pas être mauvais. Ça, je me languis de goûter. Ensuite, nous avons des pâtes. Happy Bio, des tortilles tout beau, tout bon. Donc 500 grammes. Bon, moi j'appelle ça des fusibus, mais bon, peut-être que je me trompe. Donc c'est des tortilles a priori. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors il y avait les tortilles ou les spaghettis a priori dans les box. Moi j'ai eu les tortilles. Alors c'est 1,95€, donc un paquet par box. Découvrez le bio. Joyeux, sympa et décomplexé avec les pâtes Happy Bio élaborées à partir de blé bio, soigneusement sélectionnées et elles sont à dévorer à toutes les sauces. Voilà, donc c'est des pâtes, mais elles sont bio, donc à tester. Donc 500 grammes, c'est très bien. Hop, voilà, je vous montre le paquet. Je vous ai dit que ça coûtait 1,99€. Voilà. Donc ça, c'est à tester. On a des recettes faciles pour les graines. Désolée, mais je prends par rapport à quand je pioche dans la box. Et donc, par rapport aux graines de tout à l'heure, on a un petit livret de recettes. Donc, salade printanière de pommes de terre nouvelles, aux cranberries, graines de courge et amandes effilées. Après, on a, je vous dis, hein, ça peut vous donner envie, hein. Fruits bol au fromage blanc, cranberries, graines et courges d'amandes effilées. Voilà. On a des cookies moelleux aux cranberries, amandes et graines de courge. Voilà. Donc il y a la recette, hein. Du taboulé aux graines de courge, tournesol, pignon, goji et citron confit. Donc ça, c'est les céréales que moi j'ai. Donc je pourrais tester la recette de ce taboulé. Voilà. Soupe glacée de pêche rôtie au melon et aux graines. Alors ça ne doit pas être mauvais. C'est pareil, c'est avec les graines que j'ai. Donc pour le coup, je pourrais essayer aussi. Cake au chorizo aux graines de tournesol, courge, olive noire et tomates séchées. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu. Des tagliatelles aux graines, tomates séchées, olive noire et câpre. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. La salade d'endives aux figues, raisins et noix. Alors ça doit pas être pas mal. Bon, c'est pas les graines que j'ai, mais bon, après tout, si ça me plaît. Et un camembert. Alors là, par contre, moi qui suis une grande fan de fromage, camembert au four, au romarin, miel aux figues, raisins et noix. Alors ça, par contre, je crois que ça serait ma recette préférée du livret. Mais je suis pas objective. Moi, le fromage. Le fromage, c'est la vie, comme on dit. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà, donc on avait un petit livre de recettes. Et donc, pour finir, nous avons une bouteille. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est nouveau, a priori, brut intense. C'est cidrier de caractère, brut intense, cidre pur jus de la maison Loïc Raison. Voilà. Je vous montre. Hop.
Donc c'est nouveau. Devenez cidronome. Enfin, un cidre de caractère. Donc c'est du cidre. Donc ça coûte 2,95 € la bouteille. Découvrez le cidre Loïc Raison Brut Intense, 100% pur jus, 100% breton et 100% caractère, à déguster avec une planche de fromage et de la charcuterie. Et oui, évidemment. Donc, ben voilà pour cette box. Alors là, je me rends compte que dans le livret, il y a aussi deux recettes par rapport aux épices. Donc, on a le travers de porc tikka masala au barbecue. Mais c'est pas celle que j'ai. Et par contre, on a les brochettes de fruits de la mer Kerala, qui est donc avec cette épice korma. Voilà. Donc on a deux recettes. Et donc ça ira pour cette box. Alors, quoi dire de la box? Ben, des nouveautés, vraiment des nouveautés, parce que ça, je connais pas du tout. Ça, mais je connais pas du tout, mais pas des nouveautés en termes de goût, des nouveautés en termes de produits directement, moi je ne connais pas. Donc ça, c'est les bretzels, bon ben c'est par exemple, les bretzels on connaît, là c'est juste une forme qui change et l'autre avec les grettes, donc à goûter aussi, c'est aussi nouveau, je ne connais pas, mais en termes de goût. Bon, les princes, à part qu'ils sont petits ben, et que c'est du blé complet, voilà, ça, les buns, donc ça tombe bien, hein, on mangera des burgers. Et puis les pâtes, bon, c'est du bio. Le cidre, ben, on goûtera, alors on le goûtera quand on aura du monde ou autre, dans tous les cas, voilà, donc on va pas la goûter de suite, ça c'est sûr. Et donc le thé, par contre, celui-là, je vais le mettre au frigo et je vais me régaler parce que moi, j'adore ça. Voilà, donc ben, cette vidéo donc, se termine. Je vous dirai comme d'hab. Ah oui, alors il y a ça aussi par contre que je connais pas du tout aussi qu'on va goûter, hein, les petits chefs comme ça. Voilà, polenta, en règle générale, on l'aime avec un plat en sauce et tout. Donc là, on va goûter comme ça, on verra bien. Donc, ben voilà, cette vidéo se termine en tout cas pour la Dégusta Box donc, du mois de mai qui est donc comme un chef. Donc je vous remettrai le total du prix que j'ai payé cette box et donc combien j'ai de produits à l'intérieur par rapport à la quantité. Et puis voilà, puis on se retrouve le mois prochain en tout cas pour une nouvelle box. Et puis je me languis de voir un peu ce qui va arriver là avec les beaux jours et l'été qui va arriver. J'espère qu'ils vont mettre un petit peu de produits frais dans leur box en tout cas. Et bien sûr, découvrir de nouvelles choses. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette box, si ça vous a plu, si vous connaissiez ou si vous avez des préparations ou des recettes donc par rapport aux épices et par rapport à ce qu'on a reçu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse. Likez la vidéo donc ben, si ça vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!